Savoir, mais si en plus dans le bouddhisme, le fait de marcher tu tues. Bien sûr. Donc à quel niveau de conscience tu appelles la mort? C'est quoi le niveau de conscience de ta mort? C'est tuer une personne physique, donc, et l'infiniment petit. Non, c'est inconscient. On est d'accord, c'est pour ça que dans le bouddhisme, l'absolu, la mort, elle existe tout le temps. Marcher dans la rue avec une loupe comme ça pour voir si c'est un insecte. Voir, tu ne marches pas. Quand tu ne marches pas. Quand tout est. Tu vois, oui, mais tu vois, là, si on se limite à se dire, ah, le droit de tuer, parce que bah, c'est pas bien. Bon, après le reste, je ne peux pas avoir une loupe. Ok, tu acceptes les deux polarités. C'est la conscience. Ça, je te parle toi. Ça fait toi un achemin mauvais. Je te parle d'écraser un insecte. Oui, moi, je connais des bouddhistes, c'est d'ici. Hein. Moi, je connais des bouddhistes que quand ils creusent les mains en terre, il y a un ver, ils le déplacent. Je ne ferai pas. Hein. Oui, mais quand ils marchent, ils font très attention. Oui, mais l'insecte, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, l'esprit, c'est pas ça, je parlais de conscience, tu parlais d'absolu, de l'hyper. Est-ce qu'on est en train de. On est en train de théoriser la spiritualité, puisque on parle de spirit. Est-ce qu'on est en train de théoriser avec des faits? Comme je dis, c'est quelque chose, quand au fond de toi, tu as quelque chose en dehors de toute cette mémoire-là, et je pense qu'à ce moment-là, l'esprit lui-même, il va utiliser tout ce qu'il y a dans le corps qui est complètement déconditionné. Notre corps, il est conditionné, les cellules même de notre cerveau, ils sont conditionnés par toute l'histoire de la race humaine. Oui. Même dans nos ADN, on est conditionnés. Hein, on a le nez de notre grand-père et tout ça, on répète tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, est-ce que l'esprit est voué à s'attacher à tout ça? Et parce que si on est attaché à tout ça, eh bien on va souffrir. Et on va faire le monde qu'il y a aujourd'hui. L'important, c'est de savoir, c'est que toute cette souffrance qu'on vit là, dans le monde, avec ces gens qui meurent de faim, la haine et tout ça, ça ne sert à rien. Parce que c'est tout simplement une illusion qu'on se fabrique. Et toute cette illusion engendre beaucoup de choses et qui comme tu dis, c'est rien. On peut tuer, on peut... Mais est-ce que ça, c'est le but de l'homme? On ne peut pas mettre une théorie là-dessus. On va dire que l'esprit libre, c'est un esprit qui a la grâce d'aimer. Quand il a cette grâce d'aimer, ben peu importe ce que tu peux penser, peu importe ce que tu peux imaginer, tout ça se met dans l'ordre. L'univers, c'est l'ordre. Et quand tu es l'univers, quand tu es dépouillé de tout ton conditionnement, tu es l'ordre. Et peu importe ce que tu peux penser, maintenant, tu peux penser jusqu'à demain, jusqu'à ce que tu mettes le pied dans la tombe. Il y en a des pensées à penser. Parce que la pensée, c'est toujours, toujours penser. Et encore, demain, on va encore mettre encore un paquet dessus pour encore savoir. Mais ça finira jamais. Ça fait pitié, ça. C'est un petit machin limité. Mais en dehors de tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire. Aller toucher quand tu n'as plus cette connotation de te faire embarquer par les pensées qui vont te dire comment la vie devrait être. C'est pas une question de la vie devrait être, c'est une question de vivre ce qu'il y a à vivre maintenant, dans le moment où tu as compris que tu es un paquet de mémoire, et que tu n'es pas un paquet de mémoire, et tu es ce que tu es. Tu as compris ça? Eh bien, tu es libre. Et cette liberté te permet de faire un monde. On a beaucoup de joie, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, beaucoup de passion, beaucoup d'affection. Et on peut ensemble, nous les êtres humains, sur cette terre, sur cette belle planète, sans se bagarrer, sans se dire que je t'aime aujourd'hui, je t'aime plus demain. Mais ça, on ne sait pas le faire. On ne sait que raconter des histoires et toujours se penser blablabla, 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 et ça finit jamais. Donc arrêtons ça. Commence à aimer, commence à être toi-même. Et là, c'est bon. Là, on pourra se prendre par la main. Puis, mais très vite, oui. J'ai essayé en fait d'être très vite contaminé par les interactions de la société actuelle. On parlait tout à l'heure de l'observation, l'observation de soi.
Comment on vient à s'observer soi-même? Comment on en vient à ça? Parce que l'idée, elle est là. C'est que si tu t'observes toi, tu es à l'intérieur de toi. Bien que tu es centré sur toi, bien, tu vois comment tu fonctionnes. Et c'est vrai que c'est très vite accaparé par des choses qui arrivent. Parce que notre esprit n'est pas capable d'être attentif à ça, habitué à ça. S'habitue à aller voir qui on est. Commence dès maintenant. Attends pas demain. Demain, ça n'existe pas. Et quand tu le fais, ben cette force commence maintenant. Et se dire que j'arrive pas, ça veut dire que tu te donnes une excuse pour ne pas le faire. Et ça te donne une excuse pour te dire je suis embarqué. Toute chose a un début, et dans cette chose-là, quand tu commences à faire ça, eh ben il y a la force qui te donne le tout ton... Et quand tu n'as pas la passion, c'est parce que tu veux seulement te sentir bien. Est-ce que c'est pour ça que tu arrêtes, tu ne fais plus? Parce que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se mettre les choses à faire. Il faut être vraiment honnête avec nous-mêmes. On n'a pas envie d'être de liberté. On veut seulement être bien dans notre petit monde, avec nos petits avantages, nos petits privilèges. Et si on vient m'embêter avec ça, ah ben ça c'est pas bon, je veux pas de liberté moi. Tu vois? C'est tellement... Parce que, vous savez, la race humaine, là, on nous a toujours dit, ta petite vie est importante. Puis tu pars à l'école, on t'a l'éducation, tout ça, tu auras quelque chose. Donc la pensée dans ta tête, elle est habituée à faire ça. Ta tête est devenue presque un commerce. Tu ne fais rien si tu ne gagnes pas rien. Pourquoi tu irais regarder qui tu es? Tu n'as rien, il n'y a rien, ça ne rapporte rien. Donc tu ne le fais pas. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que ça ne rapporte rien. Il n'y a rien à gagner. Qu'est-ce qu'il y a à gagner de se connaître? Rien. La liberté. Non, tu ne gagnes rien. Oui. Même la liberté, c'est en rien. Gagne, c'est ça aujourd'hui qu'on parle. On ne gagne rien, c'est ça? Oui. Non. Ben, si, on gagne. C'est ça, ou bien l'affection, ou bien un petit regard, ou bien une petite affection, quelqu'un. Attends, mais nous sommes conditionnés comme ça, d'accord, on s'en fout, d'accord, je comprends très bien. Mais je veux dire, on est conditionnés comme ça, il faut savoir... Ben, faut qu'est-ce qui se déconditionner. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe en nous pour pouvoir le faire. Il faut savoir parce que si on ne sait pas... Oui, alors comment tu fais ça? Oui, rien d'important pour moi. Rien. Mais comment tu fais pour te déconditionner? Je fais le vide. Oui, je fais le vide. Et ça te déconditionne. Oui. C'est quoi ce déconditionnement? Je ne pense pas à demain, je ne pense pas à hier. Ouais. Mais le conditionnement, tu vois, il est toujours là. Peut-être. Ouais. Mais j'en fais pas cas. Mais alors, si tu n'en fais pas cas, tu es embarqué par ce conditionnement sans que tu veuilles. C'est une machine. C'est une machine qui marche. Je comprends. Quand la conscience, elle est éteinte. Mais on ne peut pas non plus faire tout. Off. Non, pas. Justement, c'est pour ça, c'est compliqué. On ne peut pas dire, ok. Moi, je fais ça, et puis c'est bon. Voilà. C'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Ça marche par la compréhension et la perception. Vous savez, la perception de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la perception qui est limitée. Comme il y a, en 1500, il y a des gens qui croyaient que la Terre était plate. Non, mais la Terre n'est pas plate. Ces gens-là, ils sont devenus fous, ils ont échappé de la vie. Qu'est-ce que tu racontes, là? Et même, ils ont été très méchants avec ces personnes qui ont dit ça. Hein, ils leur ont crevé les yeux. Hein. Je sais pas si vous connaissez. Mais, ce qui se passe en nous, c'est pareil. Aujourd'hui, on comprend certaines choses. Comme toi, tu disais tout à l'heure. Tu comprends certaines choses, tu vois, c'est difficile tout ça. Mais moi, je te dis que tout ce que tu comprends là, c'est limité. C'est comme si tu regardais les choses, mais tu regardais les choses pas avec le bon œil. Parce que... Peur, après, il y a la peur aussi. Bien sûr. La peur d'aller... L'autre. Voilà. Je connais ce que je vis actuellement. Et c'est vrai que quand je... Mais justement, il faut savoir. Justement, là, tu es un bon film. Parce que quand tu vois ça, qu'est-ce que tu fais avec? Alors, soit la plupart des gens, ce qu'ils font, ils s'enfuient. Parce que ça me convient pas, c'est un salaud, c'est un ceci, c'est un cela, à tromper, blablabla, tout comme tu sais. Donc, on fuit, on ne veut pas rencontrer ça. Voilà. Et là, si on fuit cette chose, à chaque fois qu'il y a une peur, on fuit la peur, on ne saura jamais comment cette peur fonctionne. Se meut en nous. Parce que la peur, finalement, c'est qui? Toi, tu es la peur. Elle n'est pas dissociée de toi. Mais toi, ce que tu veux faire, tu veux l'annuler. Mais elle est toi. Comment tu peux casser en deux toi? Donc on fuit tout le temps, on est en division, on est en dualité à l'intérieur de nous. Mais ce qui se passe, c'est que si tu sais regarder ce que tu es, parce que c'est ce que tu es, tu vois qui tu es. Tu prends la peur dans tes mains et elle s'en ira toute seule. Tu vas réaliser que cette peur-là, ces histoires-là, ce sont les propres histoires que tu t'es racontées. Matérialise la peur.
Exactement. Elle n'existe pas. On la matérialise. Elle est dans le monde. Elle est dans nos activités. Mentalement, mais vraiment, en face, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu vas voir? Il faut que tu vois ça, il faut que tu vois tes peurs, il faut que tu les fasses face. Tu regardes, c'est quoi? Et c'est là que tes peurs, elles vont s'évanouir. Parce que tu vas réaliser ce que tu vois n'est qu'une invention de toi-même. Ça n'existe pas. Et que tu es au-delà de tout ça. Donc, tu veux aller au-delà de tout ça. Ralentir, etc. Lui, il connaît certaines choses. Il ne sait pas tout ce qui est extérieur, il ne connaît pas les énergies. Il a un mode de fonctionnement. Donc si tu as sur l'ego et que tu fonctionnes dans le mental, forcément, tu te raccroches aux peurs, aux doutes, etc. Parce que c'est ce que tu as comme bagage. Maintenant, effectivement, si tu te projettes, si tu vas voir ton moi autrement, si tu te connectes sur un autre monde que tu ne connais pas, bah, tu perds tes petites habitudes, tu perds tes repères. Donc du coup, bah, la peur, elle vient. Mais la peur, c'est ton mental qui reprend le dessus. Quand on parle de peur, bien sûr, oui. D'être libre. Ça peut être aussi une barrière. Oui, bien mais sûr. Pourquoi, mais c'est une barrière que nous créons. Mais il faudrait savoir pourquoi cette peur existe. Il faut aller à la racine de ça. Pas juste savoir que la peur, elle est là, mais comment elle... Comment elle arrive, etc. Comment elle se meut. J'ai une méditation, justement, que je fais. Comment se libérer de la peur et de la colère? Et c'est effectivement, dans la méditation, on va appeler des émotions, donc des choses qui nous font peur, ou des émotions. Donc on va essayer où est-ce qu'elle est au niveau du corps, donc on va la visualiser, on va en prendre conscience, et on va justement, comme tu dis, cette peur-là, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce que j'en fais? Donc, et je vais me familiariser avec elle, donc je vais justement la faire grandir, la faire épanouir, lui dire que je l'aime, la mettre en lumière pour justement qu'elle parte. Oui, mais la plupart du temps, c'est pourquoi avec toutes les méditations, moi je parle d'une transformation de l'être humain. Mm-hmm. Pas cette peur, il y a un changement radical. Transformation, ça veut dire, révolution, ça veut dire une marche complètement dans l'autre sens. Nos esprits sont déconditionnés. Et on ne peut pas déconditionner tout au même rythme. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je comprends ce que tu dis. Mais je veux dire qu'il n'y a pas, quand tu as vu tes peurs, c'est comme si, vous savez, quand on vous a dit que le Père Noël n'existait pas. T'as pas encore vu. Oh là là, un mythe qui tombe là. Oh Guy, qu'est-ce que tu as fait, hein? Et bien quand on te dit ça, tu réalises justement que ton mensonge que tu as, ben, il n'est pas vrai. Et tu réalises aussi que derrière tout ça, il y a la vérité. Et c'est ça, de voir tes peurs, c'est de voir le mensonge qu'il y a. Mais la plus grande peur... Est-ce qu'il y a forcément un mensonge? Absolument. Le leurre est un mensonge. On se raconte des histoires. On se raconte des histoires parce qu'on ne veut pas faire face. Pourquoi on ne veut pas faire face? C'est parce que quand on fait face à la réalité, c'est que tu n'es rien. Et que pour toi, d'exister... Il faut que tu apparaisses dans un rôle, dans tout ce que tu es, tu apparaisses. Et c'est ça la plus grande peur, être rien, de ne plus être reconnu. Et ça, la plus profonde, toutes les peurs, de se rencontrer tel qu'on est, rien.